dire. Bébé. Hey. Bébé. Bébé. Où est-ce? Pas de chou. Tu veux te sentir bien. Je vais te faire. Je On était chez nous, maman, mon frère Nosret et moi. On était dans la chambre et ma mère était dans la cuisine pour nous préparer quelque chose à manger. Un obus est tombé et ma mère a été touchée dans le dos. Je me suis mise à pleurer et à crier pour appeler les passants. Ils ont emmené ma mère à l'hôpital et moi dans un centre d'accueil. Après, j'ai appris que ma mère était morte et j'ai beaucoup pleuré. Nosret, mon frère, il ne pleure pas. Il a oublié. Il a oublié maman. Moi, je rêve de papa et maman. Je n'arrive pas à dormir. La nuit est longue pour moi. Et tout d'un coup, je crois que maman est là. Dans Sarajevo en guerre, un vieux bâtiment. C'est l'orphelinat Lubica Ivezic. Plus de chauffage, plus d'eau courante, la plupart des vitres soufflées par les bombardements. C'est là qu'une cinquantaine d'enfants, orphelins de guerre ou orphelins d'avant la guerre, ont trouvé refuge. Oubliés, livrés à eux-mêmes dans les ruines d'une ville devenue folle, ils tentent de survivre. Seule la cantine continue à fonctionner à peu près normalement. Entre deux repas servis grâce à l'aide alimentaire des Nations Unies, ils rêvent de chewing-gum, de bonbons ou de chocolat. Comme tous les habitants de Sarajevo, ils ont depuis longtemps oublié le goût du jus d'orange et de la confiture. Le menu varie peu, soupe, pâtes, pommes de terre et pain. Cet hiver, les quelques éducateurs qui veillaient encore sur eux les ont abandonnés pour s'occuper de leurs propres enfants et de leur propre maison. Alors les orphelins de Sarajevo se sont organisés. Les grands ont pris en charge les petits. Ils ont quitté le dernier étage, trop exposé aux tirs, et défoncé les portes et les planchers pour se chauffer et ne pas mourir de froid. Au début des combats, il y a un an, les orphelins ont eu peur. Peur comme des enfants. Peur d'être seuls, peur de la guerre. Et puis ensemble, ils ont appris à mettre la guerre de côté. Par instinct, ils se sont adaptés. Aujourd'hui, à l'intérieur de la petite meute qu'ils ont formée pour se sentir moins seuls, ils retrouvent même le goût du jeu. Ma vie ici, elle est bien. J'ai des bons copains. Je me balade avec eux. Je vole avec eux. Quand on a de l'argent, on le partage. On achète des gâteaux, des cigarettes. On achète plein de choses. Bien sûr, je préférerais être à la maison qu'ici. J'aimerais bien que mon père et ma mère soient en vie. Mais ils ne sont pas là. C'est comme ça. Alors je suis ici avec les autres. Ils se battent.
J'ai vraiment vécu des choses incroyables ici. L'autre jour, avec mon frère, on est allé vers le haut de la colline pour jouer au billard. Un obus est tombé et un homme a été tué. Il y avait beaucoup de sang partout, même sur nous. On a failli être tués. Mais à Sarajevo, la guerre reprend vite ses droits. Ce matin, deux obus serbes tombent près de l'orphelinat. Des obus tirés chaque jour au hasard, juste pour empêcher de vivre. Je ne savais rien. Mais après un an de guerre, j'ai compris ce que c'était. Je ne savais pas ce que c'était un éclat d'obus ou une balle. Maintenant, j'ai tout vu de mes propres yeux. Avant, les enfants de mon âge ne savaient pas ce que c'était la guerre. Mais là, on a vu la vraie guerre. À Sarajevo, en 12 mois de guerre, près de 1000 enfants sont déjà morts. C'était le 5 octobre 92. Je suis sorti dans la rue, il n'y avait pas de tir, c'était très calme. Tout d'un coup, j'ai entendu quelque chose tomber devant moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé direct à l'hôpital, j'ai pas eu le temps de pleurer, rien. J'étais dans le coma. Quand je me suis réveillé, j'étais encore choqué. Je crois que je suis resté 10 jours dans le coma. Je ne savais pas combien d'éclats d'obus j'avais reçus. C'est en sortant de l'hôpital que j'ai compris que j'avais perdu l'usage de ma main. Ma main a été touchée, mon ventre, mon dos et ma jambe aussi. Après cette blessure, j'ai changé. Je voudrais que cette guerre s'arrête. Avant, je n'étais pas comme ça, pas si renfermé. Comment je peux dire? J'étais un autre, j'étais joyeux. Maintenant, je suis trop calme. C'est pas que j'ai grandi, mais chaque homme a un sentiment envers cette guerre. Et moi, je veux que cette guerre se termine. Ça fait un an que je n'ai pas vu ma maison. Comme tous les enfants de la ville, Sulio, Mario et Moura ne vont plus à l'école. Le chemin des écoliers est devenu trop dangereux. Ils quittent rarement l'orphelinat, sauf pour descendre en ville, chercher de quoi manger. À Sarajevo, marcher dans la rue, c'est risquer sa vie. Attention, il y a souvent un mec qui tire ici. Pour vivre, il faut courir. Chaque geste, chaque déplacement est un risque. Les 250 000 habitants de Sarajevo sont tenus en respect par les canons et les tireurs embusqués sur les hauteurs de la ville. Mais il faut bien sortir pour croire que l'on est encore vivant, pour trouver quelque chose à manger, du bois pour se chauffer ou tout simplement pour respirer. Quand les bombardements s'arrêtent enfin, il faut courir encore. Courir en essayant de croire que l'on va rendre un peu plus difficile la tâche du franc-tireur qui vous vise. Mourir, c'est de ça que j'ai le plus peur. Je ne veux pas mourir.
Bien sûr, j'ai peur d'être blessé aussi. Dieu me garde de perdre une main, une jambe, un œil. Tout le monde a peur de ça. Que dire de la mort ? Quand tu meurs, tu n'existes plus. Tu vas direct au paradis. Difficile pour Mario, Sulio et les autres de résister aux camions qui passent. À l'intérieur, il y a peut-être tout ce qui leur manque. Tout ce qui est devenu hors de prix et rare à Sarajevo. Alors pour améliorer l'ordinaire de l'orphelinat, ils volent tout ce qui peut se manger, se vendre ou se troquer. Pourquoi t'es pas monté ? T'es nul. Tire-toi. Regardez, un camion des Nations Unies. Donne, Mario. On va les vendre. Avant la guerre, si les flics t'attrapaient, on te disait que c'était mal de voler. Et on te tabassait. Maintenant, avec la guerre, s'ils t'attrapent, ils prennent tout pour eux. Et ils te libèrent comme s'il ne s'était rien passé. Alors je recommence. Moi avant, j'aimais bien voler. Et puis un jour, j'ai volé. Et la police m'a attrapé. Ils m'ont demandé ce que je préférais. Qu'on me tabasse ou qu'on me coupe les cheveux. J'ai répondu, ni l'un ni l'autre. Alors, le type m'a tiré le bonnet et il m'a rasé la mèche. Depuis, je ne vole plus que des petites choses pour ne pas qu'on m'attrape. Leur butin, Mario et Sulio, l'échange sur le marché de Sarajevo. Aujourd'hui, deux salades contre deux paquets de cigarettes et deux paquets de cigarettes contre une ration de l'armée américaine. C'est quoi ce gâteau ? Il y a des noisettes et du chocolat. Tire-toi, connard. Ce sont les adultes qui sont responsables de cette guerre. Avec leur politique, ils sont arrivés à la guerre. Nous, les enfants, on n'a plus confiance en eux. Quand je pense à l'avenir, il n'y a pas de guerre. C'est vrai, je pense comme ça. Je ferme les yeux et je crois qu'il n'y a pas de guerre. Je crois que c'est vrai.
Mais quand je les ouvre, la guerre est là. Fin de l'après-midi et retour à l'orphelinat pour un nettoyage de printemps. Le directeur et les éducateurs avaient disparu depuis plusieurs mois. L'hiver à Sarajevo était très dur et ils l'ont passé chez eux, auprès de leur propre famille. Il y a un mois qu'ils sont de retour à l'orphelinat. Depuis, ils essayent tant bien que mal de retrouver un peu d'autorité sur les enfants. La passion de Mario, c'est le vélo. En 5 mois, il en a volé 21. Pour le 22e, le directeur se fend d'une leçon de morale. Sans grande illusion, pourtant, difficile de faire respecter l'ordre dans une ville où, justement, l'ordre ne règne plus. Mario, dis-moi, comment tu as volé ce vélo ? Mario, tu sais bien qu'il ne faut pas voler, tu le sais bien. Et si quelqu'un te vole ton vélo, qu'est-ce que tu feras ? De toute façon, tout le monde se sert ici. Qu'est-ce que tu penseras de lui ? C'est un bandit, un type bien ? Tu crois que c'est bien de faire ça ? Qu'est-ce que tu as pensé quand on t'a pris ton blouson ? Rien, rien, je m'en fous. Combien d'années scolaires tu as terminé ? 4. 4 années. Qu'est-ce que tu comptes faire avec tes 4 années d'école primaire ? Tu ne peux même pas devenir un bon voleur avec ça. Si tu vas à l'école maintenant, tu pourras finir l'année. C'est une chance unique qui s'offre à toi. Seulement 2 heures par jour. 2 heures ? Tu pourrais devenir quelqu'un de bien comme ça. De toute façon, je peux pas parce que je suis comme ça depuis que je suis tout petit. Quand je serai grand, je voudrais avoir une fabrique de vélos. C'est là-dedans que j'aimerais travailler. C'est ce que j'aimerais le plus. Ou alors, un garage de moto. J'aime bien les motos aussi. Mais je préfère les vélos. Le rêve pour moi, ça serait d'être chez ma grand-mère. Je pourrais avoir tout ce que je veux. Pas comme ici. Du fromage, du miel, de la confiture, des œufs, du poulet. Si mon père et ma mère n'étaient pas morts, je pourrais avoir cette belle vie. Pas comme ici. Pas comme dans cet orphelinat. Je voudrais bien travailler à la poste. J'apporterai les lettres dans toutes les maisons. J'irai dans la première maison, puis dans la deuxième. Et dans la troisième. Il faut que la guerre s'arrête. Oui, il faut que la guerre s'arrête. Je rêve que j'ai des parents, des frères, des sœurs. Et surtout que la paix règne. Je rêve que je ne suis pas orphelin comme maintenant. Je m'imagine dans une maison avec tout dedans. Je rentre de l'école, je m'allonge dans le canapé et je regarde la télé.
Pas question ce soir d'obéir à l'éducateur. L'électricité est revenue pour quelques heures. Certains quartiers en sont privés depuis plus de 6 mois. Alors on va danser et regarder la télévision jusqu'à la prochaine coupure. Mais pour les plus petits, la musique n'arrive jamais vraiment à couvrir les bruits de la guerre. C'est l'heure difficile de la nuit, l'heure où juste avant de fermer les yeux, les souvenirs reviennent. Je suis plus âgé que mon frère. Lui, il ne comprend rien à cette guerre. Il ne réalise vraiment pas. Il peut sortir, un obus peut tomber, que Dieu le garde. Qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce que je pourrais faire? La nuit, j'oublie que c'est la guerre. Mon meilleur souvenir, c'est quand j'allais à la mer avec mon école. Là-bas, je pouvais faire tout ce que je voulais. Je pouvais pêcher, je pouvais danser, je pouvais faire tout ce que je voulais. Deux heures, couvre-feu sur Sarajevo. Dehors, les combats reprennent.